Dans une petite école d'Alsace, près de Mulhouse, deux enseignantes ont décidé de réagir à des problèmes de racisme entre les élèves. Elles ont proposé aux parents de participer à un projet d'ouverture aux langues et aux cultures et découvert qu'une vingtaine de langues sont parlées dans les familles de ce petit village. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet d'école qui s'est déroulé... Avec sa collègue Andrea Jung, Christine Hello, enseignante-chercheure à l'UFM d'Alsace, a suivi et filmé ce projet d'école. Elle le relaie auprès de ses étudiants. Ce n'est pas nous qui avons pris les décisions sur ce qui se passait. Le projet est réellement un projet des enseignantes elles-mêmes.